Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour dire à notre collègue Frédéric Dumas, comme on a eu l'occasion de l'évoquer hier et tout à l'heure encore en commission, qu'on l'avait évoqué lors des nombreux débats qu'on a déjà eus dans l'hémicycle, la question du crawling est une question absolument fondamentale et il convient ici de rappeler que toutes les formes d'exploitation, et y compris le crawling des articles de presse sur Internet, sont évidemment concernées par le droit voisin. Et donc on peut considérer ces amendements satisfaits, et je souhaite ardemment que vous considériez ces deux amendements satisfaits, puisque si nous devions les adopter, ça nous obligerait ensuite à reprendre la procédure, alors que nous pouvons avoir l'occasion tous ensemble de voter le droit voisin pour les droits d'auteur de presse dès dans 5 minutes, et donc ouvrir la possibilité au monde de la presse d'un côté, au monde des GAFA de l'autre, de se retrouver pour commencer la négociation. Et ça, je sais que vous, comme de nombreux autres de nos collègues dans l'hémicycle, y sont très attachés. Donc, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, si vous m'y autorisez, je voulais juste, puisqu'il n'y a pas d'explication de vote, parce que le Président Ferrand et l'ensemble des présidents de groupe ont accepté que nous soyons en procédure simplifiée, simplement profiter de ce micro pour remercier, sur tous les bancs, tous les orateurs, toutes celles et ceux qui ont participer à cet énorme travail, à cette grande aventure qui fait que notre pays, et je crois qu'on peut en retirer une certaine fierté, est le premier pays en Europe à transposer cette directive droit d'auteur s'agissant du droit voisin. C'est une fierté pour chacune et chacun d'entre nous. C'est grâce à vous, Monsieur le Ministre, grâce à ce gouvernement qui a beaucoup œuvré au niveau du Parlement européen pour que puisse aboutir, malgré toutes les pressions, malgré tous les lobbies, ce grand texte qui était attendu par le monde de la presse, et je veux saluer et remercier à travers elle et eux leur groupe, Fanette Charvier, Constance Le Grip, Pierre-Yves Bournazel, Frédéric Dumas, Sylvie Tolmont, Elsa Faucillon et Michel Larive, sans oublier bien sûr mon complice Laurent Garcia au sein du groupe du Mouvement démocrate, pour, même si on a pu avoir des approches différentes les uns et les autres, tout le travail qui a été réalisé pour qu'on puisse converger ensemble, parce que l'objectif était bien le même pour tous. Et désormais, nous disposons d'un texte solide qui va pouvoir entrer en application. Et je crois que l'ensemble de la représentation nationale peut être fier que, enfin, la presse dispose d'un moyen de négociation pour peser face aux GAFA et pour assurer son avenir. Donc, avis défavorable. Je vous propose plutôt un retrait, chers collègues. Et pour le reste, je ne puis que vous inviter évidemment à voter très largement cette loi. Je ne doute pas que le ministre vous y appellera dans quelques instants. J'ai oublié de remercier le président Studer, ce qui me permet en plus de le féliciter. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre. Merci. Merci, madame la présidente. C'est difficile de parler après monsieur le rapporteur, parce qu'il a très bien parlé, comme d'habitude, à la fois politiquement et techniquement.